ne ménage aucun effort pour renforcer l'autorité de l'État à travers le recours permanent au pouvoir judiciaire. Mes remerciements s'adressent à les détachements d'honneur de la police nationale congolaise et étrangère pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la rentrée judiciaire. Je vous invite à passer ce détachement en revue. Le gouverneur du site Kivu, Teongwa Bidje Kasi, a pris part à la cérémonie de la rentrée judiciaire le samedi 21 novembre 2020. Au cours de cette cérémonie, Maître Wilson Lutwamuzire, membre du Conseil de l'Ordre des avocats et représentant du bâtonnier, a fait un discours basé sur la situation de la pandémie de coronavirus, sur son impact dans le milieu de l'emploi. En exprimant par ailleurs les attentes du barreau du Sud Kivu sur les décisions judiciaires qui seront rendues relativement, sur le premier président, à la qualité des décisions, relativement à la problématique de retard des décisions judiciaires, mais aussi et surtout relativement à la problématique de l'immixtion du pouvoir exécutif dans les affaires judiciaires. En d'autres termes, autant le palais de justice est aujourd'hui propre, autant les décisions qui y seront rendues doivent être ou devraient être justes. Ceci dit, passons à notre sujet du jour. Aujourd'hui, plus que jamais, il est indiscutablement établi que la pandémie de la COVID-19, coronavirus, a notamment, sur le plan contractuel, comme conséquence, le fait que certains débiteurs... Peut-on appliquer la force majeure à la COVID-19 ? Pour le gouverneur du site Kivu, cette rentrée judiciaire va permettre aux défenseurs judiciaires, mais aussi aux autorités, d'évaluer la qualité des travail de la justice. Était présent au cours de cette rentrée judiciaire, Madame Marie-Josée Ibalayam Alas, procureure générale du site Kivu. Dans son mot, elle a appelé la population du site Kivu d'avoir la confiance à la justice. Ne ménage aucun effort pour renforcer l'autorité de l'État à travers le recours permanent au pouvoir judiciaire. Mes remerciements s'adressent enfin à vous tous, distingués invités, pour votre présence nombreuse dans cette salle, malgré vos multiples préoccupations des auxiliaires du magistrat. Disposant de pouvoir importants qui peuvent gravement porter atteinte à la liberté des personnes et pour éviter des abus, la loi a placé les activités de l'officier de police judiciaire sous la direction du procureur de la République et sous la surveillance du procureur général dans les ressorts de la cour d'appel. D'où l'intérêt de ces sujets qui permettra de graviser les uns et les autres sur les missions de l'officier de police judiciaire dans l'établissement de la sécurité publique et sur la bonne administration de la justice. Ma réflexion portera sur deux chapitres, à savoir, chapitre 1er, notion sur l'officier de police judiciaire, chapitre 2, du contrôle des activités de l'officier de police judiciaire par le magistrat. Une conclusion sanctionnera cette étude. Chapitre 1er, notion sur l'officier de police judiciaire. Nous allons successivement parler de la base légale section 4.
dès la définition de l'officier de police judiciaire, c'est la partie de section 2, et l'acquisition de la qualité de l'officier, très belle, 11 avril 2013, portant organisation, fonctionnement et compétences de juridiction de l'ordre judiciaire, l'ordonnance numéro 78/289 du 3 juillet 1978, relative à l'exercice des attributions d'officier et agent de l'ordre judiciaire, près de juridiction de l'ordre. La circulaire numéro 7/008/IM/PGR/2011, relative à l'inspection des territoires et au contrôle des juridictions routinières. Et enfin, la circulaire numéro 01/008/IM/PGR/2014, du 20 avril 2014, relative au contrôle des autorités, des officiers de police judiciaire. Section 2. La définition de l'officier de police judiciaire. Dans le silence de la loi, le lexique des termes juridiques le définit comme un ensemble de fonctionnaires placés sous l'autorité du parquet. Quant à nous, un officier de police judiciaire est un personnel de la police judiciaire chargé de rechercher des infractions, d'arrêter et résumer auteurs des infractions et de les transférer devant les magistrats du parquet. Section 3. Acquisition de la qualité d'officier judiciaire. D'après le prescrit de l'article 5 de l'ordonnance numéro 78/289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officiers et agents de police judiciaire près de juridiction des droits communs, c'est la loi pour l'arrêté du ministre de la Justice qui confère la qualité de l'officier de police judiciaire, c'est-à-dire qu'on est officier de police judiciaire par le fait de la loi ou alors pour avoir été désigné par le ministre de la Justice. Section 4. Conditions d'accès à la qualité d'officier de police judiciaire. Les articles 7 et 9 de l'ordonnance numéro 78/278 du 3 juillet 1968 précité exigent à tout officier de police judiciaire d'être personnellement habilité par le procureur de la République du ressort et de prêter entre ses mains verbalement ou par écrit le serment légal avant d'exercer sa fonction ou de se préparer de cette qualité. Car, en effet, tout procès verbal établi par un officier de police judiciaire non habilité ou n'ayant pas prêté serment ou dont l'habilitation a été suspendue ou retirée est nul et de l'effet. C'est pourquoi j'invite le commissaire divisionnaire de police, les commissaires supérieurs de police, les commissaires de police, les officiers de police judiciaire de la NER, de la DGM, les maires des villes, les bourgmestres des communes, les administrateurs des territoires, ainsi que tous les chefs de chefferie à se conformer à la loi sous peine de poursuites judiciaires pour usurpation des fonctions d'officier de police judiciaire. Section 5. Catégorie des officiers de police judiciaire. Il y a ces à compétence pleine des rapports relatifs à ces infractions, consignations dans les procès verbaux, la nature et les circonstances de ces infractions, les temps et les lieux où elles ont été commises, les preuves ou indices à charge de ces crimes en sont les auteurs présumés, ainsi que les dépositions des personnes qui auraient été présentées ou auraient des renseignements à fournir. Section 7. Pouvoir de l'officier judiciaire. Il détient certains pouvoirs en commun avec le magistrat du parquet et certains autres qui sont susceptibles de délégation.
par appartenir les pouvoirs en commun avec les magistrats du parquet. Ce sont les pouvoirs que l'officier de police judiciaire peut exercer sans avoir besoin d'une quelconque délégation. Cas de constatation d'une infraction, arrestation de l'auteur présumé d'une infraction, interrogatoire, audition, réception d'une plainte ou d'une dénonciation et la saisie d'objets. Paragraphe 2, pouvoir susceptible de délégation. Ce sont ceux qui consistent à émettre un mandat d'amener contre l'auteur présumé d'une infraction, perquisitionner les lieux suspects, visite domiciliaire dans des cabinets d'avocats ou de médecins, la fuite ou perquisition corporelle, la saisie de la correspondance, la réquisition à expert, l'autopsie et l'exhumation des cadavres, tandis que le reste des pouvoirs de ministère du parquet regarde au Bruxelles. C'est-à-dire que l'officier de police judiciaire ne peut en aucun cas et sous quelques prétextes les exercer. Nous citons les pouvoirs de direction de la police judiciaire, la condamnation du témoin défaillant, la réquisition aux fins d'exploration corporelle, les pouvoirs d'allocation d'indemnité aux témoins et experts, la réquisition de la force publique. L'officier de police judiciaire ne peut non plus instrumenter d'office contre les ministres, les députés, les magistrats, les officiers des autorités judiciaires de la mer, de la DGM, les diplomates, les conseillers et membres de leurs familles, les fonctionnaires de l'ordre, organisme international ou un expert de la coopération en poste dans notre pays. Il ne peut ni entendre ces autorités, ni les arrêter, ni procéder à la saisie des données. Chapitre 2. Du contrôle des activités de l'officier de police judiciaire par le ministère du parquet. Les prescrits de l'article 1er du code des procédures pénales stipulent que les officiers de police judiciaire exercent leurs attributions sous l'autorité du magistrat du parquet. Ce qui veut dire que la surveillance et la direction de tous les officiers de police judiciaire relèvent du magistrat du parquet. L'article 3 de l'ordonnance précitée tranche que les officiers de police judiciaire sont placés dans les ressorts de chaque tribunal de grande instance sous la direction du procureur de la République, dans les ressorts de chaque cour d'appel sous la surveillance du procureur général de cette cour et à l'échelon national sous l'autorité du procureur général près de la cour de cassation. Les dispositions de l'ordonnance suisse évoquées dans son article 3 ainsi que celles de l'article 1er du code de procédure pénale prouvent à suffisance que le magistrat du parquet est seul habilité à contrôler les activités de l'officier de police judiciaire avant son entrée en fonction et pendant l'exercice de ses fonctions. C'est le magistrat du parquet exerce un double contrôle sur les activités de l'officier de police judiciaire, à savoir contrôle administratif, section 1, et contrôle judiciaire, section 2. Section 1, le contrôle administratif. Ce contrôle consiste à vérifier la qualité de l'officier de police judiciaire au regard de la loi ou de l'acte de nomination. Aussi, le magistrat du parquet a une obligation légale de descendre régulièrement au bureau de l'officier de police judiciaire pour vérifier si celui-ci a été habilité, si il a bien tenu ses registres prévus et les procès verbaux de ces ordres. Et enfin, si ces derniers sont régulièrement transmis au magistrat du parquet. À l'issue de ces contrôles du magistrat du parquet, à l'occurrence, le procureur de la République peut prendre une série de sanctions à l'encontre de tout officier de police judiciaire.
incompétente ou indisciplinée, telle la demande d'explication, la suspension de l'habilitation pour une durée n'excédant pas 6 mois, le retrait de l'habilitation. Cette décision lui est notifiée et également à sa hiérarchie. Elle est susceptible de recours devant le procureur général en ayant 8 jours à dater de sa notification. À côté du contrôle administratif, nous l'avons dit, le magistrat du parquet exerce également un contrôle judiciaire. Section 2, nous allons parler du contrôle judiciaire. Ce contrôle consiste à inspecter les activités judiciaires de l'officier de police judiciaire, c'est-à-dire vérifier la régularité de la garde à vue, la salubrité des abrigos, le refus de constater une infraction par un officier de police judiciaire, la violation du secret de l'instruction judiciaire et l'usurpation des fonctions publiques par un officier de police judiciaire non à son ressort, à faire respecter la loi et à réprimer les officiers de police judiciaire défaillants. J'invite également les chefs de corps dont dépend administrativement les officiers de police judiciaire à prêter main forte au procureur de la République en cas de sanction prise à l'encontre des officiers de police judiciaire récalcitrants. J'ai proscrit la pratique consistant dans les chefs des commandants à libérer les amigos des personnes gardées à vue par l'officier de police judiciaire inspecteur du dossier. Pareille attitude est constitutive à l'égard de l'infraction d'évasion de détenus. Excellences, Monsieur le Gouverneur de Province, Mesdames et Messieurs, distingués invités, parlant du contrôle des activités, l'officier de police judiciaire a précisé les conditions d'acquisition et d'accès à la qualité d'officier de police judiciaire, a donné leur catégorie et a précisé leur mission ainsi que leur emploi. Je me suis par ailleurs focalisé sur le contrôle administratif et judiciaire des activités de l'officier de police judiciaire par le ministère du Parquet, en soulignant les éventuelles sanctions à l'encontre de l'officier de police judiciaire récalcitrant. Je demande aux uns et aux autres de prêter main forte au magistrat du parquet afin de mieux exercer ses contrôles, et c'est en dénonçant les comportements répréhensibles dans les chefs de l'officier de police judiciaire. Et j'invite par ailleurs les procureurs de la République de mon ressort de procéder à l'identification et au recyclage de tous les officiers de police judiciaire sous leur direction, et c'est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice dans le ressort de la Cour d'appel du Sud-Kivu. Monsieur le Premier Président et honorés collègues, messieurs les membres de la composition, qu'il plaise à la Cour de séance de déclarer qu'elle reprend ses travaux. Je vous remercie.